Bonsoir, avec tout téléspectateur qui m'a chinois le ça, c'est Stade Pacifique contre la KO avec moi-même James Laurent. Jeudi, à, nous avons un invité spécial, un invité vraiment là qui va représenter une structure basketball côté que gagné en pile formation pour arbitral parce que nous allons passer un bon temps ensemble à parler de basketball. C'est Roverson Apollon qui est vice-président Iboa Basketball. Bonsoir, Maître Apollon. Bonsoir, Monsieur James. Grande salutation à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de la télévision Pacifique. Tout le plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour participer à l'émission. Oui, nous bien contents. Structure ça, Iboa, Lord Iboa, Léon Iboa. Déjà, je suis dit structure basketball, mais dès que ça, au juste, précis que nous voulons parler, est-ce que son structure qui l'a longtemps, vraiment, nous évoluons dans le domaine basketball, à qui titre que nous là, qui ça nous vient représenter? Dans le basketball là, qui ça nous vient de porter de nouveau dans le domaine ça qui c'est basketball. Merci. Iboa c'est le sigle, mais ça signifie que International Basketball Officers Academy, Iboa, qui c'est une structure qui a évolué dans le domaine du basketball. Et mission Iboa, c'est effectivement pour nous porter formation aux arbitres, aux officiels d'étape et les commissaires. Iboa, c'est un projet. Iboa, c'est une école. Iboa, c'est une vision de changement de paradigme par rapport au constat que nous faisons dans le basketball là, au niveau mondial, à travers certains pays, pour des grands problèmes. Parce que là, nous parlons de Iboa, nous parlons d'Haïti, mais nous voyons la jeunesse mondiale. Mm-hmm. Parce que comme nous sommes haïtiens, Haïti nous porte à cœur. Mais il y a un paquet de pays dans le mais monde. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes structure internationale? Internationale. Mm-hmm. International parce que Iboa sont trademark, son marque internationale qui est déposée aux États-Unis dans instance internationale, qu'on est mm-hmm. certifié au même titre que Nike et autres. Qu'on est là et structure ça, composé de qui est-ce qui fait qui ça la donne, est-ce que son structure qui gagne président, vice-président ou bien un secrétaire général, comment que structure les constituer et combien de membres qui la donne? Nous voulons faire une salutation spéciale et à tout membre FHBO. Nous saluons parce que c'est responsable. Il a fait un bon travail. Nous sommes salués parce que Iboa n'a pas de problème avec personne. Au côté, nous sommes entités privées, mais qui est là qui pour travailler tout le monde. Nous saluons et nous disons grand respect. Iboa, c'est une structure qui est composée de. Alors, dans le comité, il y a 5 membres. Nous avons Madame Atané Lefort qui est président, et votre serviteur, Roverson Apollon, qui est vice-président. On a aussi Anne-Marie Louis qui est secrétaire. Nous avons Steve B. Lefort qui est général manager. Et nous avons Marconi Louis qui est responsable, qui est le chef des opérations. Et nous avons des représentants nationaux. Par exemple, nous avons Alex Dominique qui est représentant de la Grand Danse. Nous avons Joël Dominique qui est avocat légal artistique. Et nous avons l'autre membre tout en tant qu'un APC augmenté dans ce secteur-là. Mais est-ce que tout membre ça yo c'est pour et c'est Haïti qui y est ou bien là est-ce que nous gagnons l'autre membre qui est éparpillé à travers le monde? Il y a pas tout par Haïti, il y a éparpillé à travers le monde. Gagne Canada, gagne États-Unis, gagne en France, gagne qui en Afrique. Donc tu as dit que gagne l'autre monde nous gagne membre qui travaille en Afrique. Donc c'est dire nous sommes organisation qui gagne ensemble de monde et partout dans le monde. Mais côté siège social nous y est, côté base siège nous y est social Iboa les États-Unis. Mais nous-mêmes, comme nous dit que ce n'est pas une organisation qui est basée à Haïti, mais qui est basée internationalement, donc c'est juste à nous Haïti, mais nous gagnons, en tant que nous gagnons activité à Haïti, nous gagnons un bureau à Haïti. Certes, mais nous aussi, nous écrivons les autorités responsables, le ministre des Sports, et aussi l'autre processus pour que nous capables légaliser obtenir et authentifier action en Haïti à travers des instances compétentes que nous enclencher et autres. Donc c'est que on travaille pour que véritablement nous fait tout bien correctement. Si nous faisons structure ça c'est parce que nous avons des manques, mais si nous faisons une analyse en profondeur, bon, nous dit c'est international parce que question n'a pas centré plus sur le plan national. Qui constat que nous fait dans le basketball haïtien hein, au niveau surtout ça que nous mettez accent sur l'arbitrage, l'arbitrage, est-ce que nous croyons que l'arbitral haïtien hein, gagne vraiment là et gagne en pile aspect pour yo
améliorer la donne. Est-ce que c'est optique ça nous t'ai fait une sorte de diagnostic voilà. pour nous arriver à mettre structure en place suite à diagnostic que nous fait effectivement dans en Haïti nous en Europe que gain un déficit très sérieux en matière de compétences et de connaissances en matière du jeu. Nous jugeons important pour que véritablement nous venions partager et offrir compétences nous avec monde basketball haïtien et de la sorte pour que nous changer et permettre que l'évoluer positivement. Vous avez nous même dans Ibo slogan nous c'est apporter l'uniformité d'arbitrage à la communauté. Donc à travers tout constat que nous faisons, nous rendons compte que Barrel a vraiment sérieux et nous essayons et garder ensemble qu'il y a une capable changer question. Ça veut que en dedans et ça nous dit comme structure, nous dit que Iboa et Lila non seulement pour lui aider à renforcer les relations avec la FHB et ce qui permettra en quelque sorte de cibler et de créer un plus grand bassin d'officiels et afin de favoriser la croissance de l'excellence, n'est-ce pas, et du rendement. Deuxièmement, nous dit que aider, former, développer et fournir une instruction en quelque sorte continue aux officiels de basketball, promouvoir en quelque sorte le bien-être du jeu de basketball et de ses officiels, construire les relations harmonieuses entre les joueurs, les entraîneurs, les officiels et l'ensemble de la communauté du basketball. Ensuite, stimuler les officiels par le biais d'un message et d'une philosophie claire et cohérente qui contribue à bâtir en quelque sorte culture inclusive, créant ainsi un environnement fort et en quelque sorte positif qui favorise l'égalité. En dernier lieu, nous dit que former un nombre suffisant d'officiels, n'est-ce pas, compétents et disponibles afin de résoudre le problème de pénurie d'officiels. En quelque sorte, ce sont des points importants nous visent comme ça pour que évidemment nous venions apporter nous porter des solutions. Un point important yo surtout m'abriter là dans ça qui fait le bataille qui c'est qui c'est et question de formation arbitrale. Est-ce que nous pouvons aller vers arbitre qui l'a déjà yo qui gantan dans tout ça qu'a fait yo ou bien nous aller là dans une formation de base côté là vers plus vers la jeunesse que n'aller vers arbitre qui l'a déjà yo. Nous pas mettre aucune personne de côté. Tout le monde est placé en dedans train. Il y a un ensemble de personnages qui étaient là, qui sont capables de manquer en termes de connaissances, nous là pour nous encadrer. Des formations de mise à niveau, mais il y a un jeune tout qui pour qu'on aille en termes de connaissances, nous là que pour nous prendre à la base et pour nous monter avec eux. Donc c'est ce que nous avons nous pour en dedans, il boit la formation. Et il y a des outils, il y a un dispositif que nous construisons qui c'est e-learning, une formation à distance, côté qui ensemble de monde qui inscrit sur site là et nous programmer nous font programmation pour que nous bail formation et bail des cas OK avec des explications des devoirs tout ça et puis pour nous faire permettre que nous mettez à niveau. Donc en clair nous pensons que c'est un moyen qui permet que nous aller rapide et encadrer tout. Après quoi après la formation à distance les questions théoriques les formations théoriques nous prenons des dates pour que nous venions faire des formations du terrain. Exemple, nous gagnons parce que non seulement que nous aider nous comprendre les formations théoriques, mais qu'il faut nous dans le cas pratique, il faut connaître tout. Donc c'est ça pour cela pour laquelle nous capable garder son série de images que nous gagnons à travers ça nous fait une série de jeunes n'a pas cadré une série de monde sur un terrain bah des formations des pratiques des séances pratiques pour que comprendre je veux être là comprendre gagner connaissance temps pour comprendre puis communier avec les comprendre et pour être capable grandir parce que nous dit que basketball là pour un jouet parce que son jouet qui gagne un paquet de bonne et qui a importance et qui a un pile investissement fait là-dedans surtout sur le plan économique voilà nous pas capable parler de basketball dans le cadre que tu as un championnat important des sponsors a investi des millions et puis pour un mauvais arbitrage un mauvais décision arbitrage entraîner des débâcles. Donc nous dit pas gagne jouet dans ça. Donc c'est un mauvais arbitrage peut entraîner des conséquences incalculables. Et nous avons regardé une série de championnats, je m'en ai dit, mais l'autre côté que nous passons tout, il y a un problème, il y a un déficit en matière d'arbitrage. Donc nous jugeons important pour que véritablement nous corrigions ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous essayons d'involver dans ça pour que nous puissions traiter des questions. Et Iboa, il y arrive à construire des relations de haut niveau avec des personnages dans le jeu là tout. Parce que là, nous prenons Diane. Et Anand Diane qui c'est président central FIBA nous traiter avec lui
Et là, nous prend et le directeur général américain Carlos Alves, que responsable Iboa Chita parlé avec lui tout en matière de travail n'a fait. Et nous prend ancien responsable, ancien directeur, nous avons dit que FIBA Amérique, qui c'est en quelque sorte le président Carlos Calen, nous chita avec eux pour que nous tenions de Iboa, nous chita parlé avec tout pour que nous questions, nous expliquions au projet là, qui sont projet phare, qui permettent, qui visent à aider la jeunesse mondiale à travers tout un série de déficits de connaissances, de compétences que vous pas gagné, et pour nous venir avec eux, pour nous venir porter là avec eux ça, pour nous résoudre question. Donc en clair, nous pensons que mais qui niveau académique pour nous gagner, pour capable et aspirer à capable pour une formation pareille. Alors nous pas limiter parce que oui mais formation on base quand même pour gagner. Oui. Alors nous pas dire que yon moun ki illettré pas gagne capable faire mais yon moun quand même qui capable au niveau exemple on prend niveau 9e. Yon moun ki niveau 9e li en mesure pour que li avancer dans question formation parce que li a là li a la li gen base même pour que li avancer. Il suffit que li déterminé li veut avancer puis n'a pas avancé avec li ensemble. Donc parce que ça là nous clair là dessus. Kounya là et d'abord combien de temps que structure ça a gagné en place? Iboa ça c'est il va avoir 5 ans. 5 ans comme structure qui a travaillé pour que véritablement nous porter une contribution importante dans les questions basketball. Mais comment change mon fait dans structure ça en termes de comité? Est-ce que c'est un comité qui l'a depuis au départ ou bien est-ce que il y a une assemblée générale qui fait là pour changer des membres dans le comité? L'assemblée générale se fait chaque 2 ans. OK, chaque 2 ans nous fait et puis nous renouvelons les. Il y a un membre qui était là qui parle là, il y a un membre qui dit là qui là. Donc c'est que à partir de l'assemblée générale là, toute question d'importance nous traitons ensemble et puis passer au vote et puis nous continuer. OK. Qu'on a là qui ça nous réaliser déjà au niveau international mais surtout au niveau national en termes de formation, est-ce que nous gagnons une génération habite déjà nous grand métier sur marché là ou bien est-ce que là nous dans première formation nous ou bien nous gagnons pour faire première formation nous qui ça déjà nous réaliser qui palpable pour nous capable dire que tel nous te fait telle formation mais qui niveau nous y est qu'on y a là dans formation nous comme nous dit que Iboa c'est un projet, c'est une école, nous avons ensemble de jeunes que nous avons monté avec eux qui prend en pile formation et n'a pas avancé avec eux mais tout là nous prend instructeur nous qui c'est Marc Woody Louis qui fait un gros travail dans le basketball haïtien et à travers la commission nationale qui est portée par FIBA. Et c'est grâce à ce travail et tout qui fait que Haïti vient gagner une série de compétences au niveau international, arbitre, officiel de table et commissaire. Parce que c'est grâce à lui-même, suite à la formation que le bail qui fait, je veux dire, Haïti qui a gagné une série de arbitres qui est licencié internationalement par FIBA. Et pas j'aime que ça. C'est grâce à Marconi lui par travail lui il a des rigueurs qui vraiment sont qui est vraiment exigeant dans travail lui non ça l'a posé comme compétence et qui met que Haïti je dis est reconnu internationalement à travers une série de arbitres qui certifiés ou déjà qui certifiés. Donc nous même en Daïboa nous continuons dans même là c'est ça c'est suite à tout constat ça comme compétence il dit qu'il faut le porter un rapport avec question ça à travers non seulement Haïti mais de le monde parce que c'est pas seulement Haïti qui a problème. Parce que là, nous-mêmes dans Iboa, nous prenons l'intégration sociale par le sport. Il y a pas de bonnes jeunes dans le pays hein, qui étaient capables de pas choisir à le faire un bagage qui négatif, prendre ZAM, prendre drogue, entraîner dans le bagage qui négatif. Mais si que nous jeunes encadrés, nous avons une politique sportive en la matière, il y a pas de bonnes jeunes qui sont capables de sauver. Mais nous-mêmes dans Iboa, nous venons avec l'idée à tout, c'est aider les jeunes, encadrer, éviter qu'ils aillent dans des directions qui négatives, mais permettre qu'ils soient intégrés dignement la société par. C'est que par transmission des valeurs, par transmission d'une série de disciplines pour ça. Donc, on a parlé de Allen Iverson, on a parlé de Michael Jordan, on a parlé de Messi, qui intégrait la société mondiale dignement à travers le sport. Mais en Haïti, il y a un paquet de bonnes jeunes, tout cap intégré, qui cap intégré en quelque sorte société là. Mais il suffit que nous jouions encadrement, nous jouions une série de transmission de vertus, des valeurs. Qui va permettre que vous changez. Il y a un moule qui est là que voilà. Nous besoin ça, nous besoin ça parce que vous pas que bonne jeune Haïti qui pas seulement il y a tant on a tant aussi des jeunes qui a parlé de négativement qui pour ton âme qui a fait de désordre, de problème. Mais des jeunes tout capable encadrer par formation, d'éducation par le sport
dignement société a capé millionnaire cap mesure pour parler de eux-mêmes capable non bon Brésil histoire capable Brésil c'est un pays qui a pile athlète et nous on est faville la slage ghetto au Brésil histoire capable une source de motivation pour les jeunes pour changer la vie et ça nous prône. Donc c'est que nous voilà parler de perspective en tant que structure pour nous montrer ça. Donc nous pensons que c'est une structure d'importance et nous souhaitons que à ce que toute société haïtienne et l'autre société mondiale nous cap suivent nous tous à travers et références nous électroniques nous pour que nous avancer dans situation ça et de projet pour que véritablement nous depuis 2019 entre 2020 gagné et nous avons dit la comité international et olympique d'accord que basketball top à toi c'est vino sport olympique que FIBA d'accord tout. Comment nous essayons de jumeler entre basketball 3 par 3 en termes de formation arbitrale avec basketball 55 là? Parce que c'est la même réalité. Moi-même, moi, je basketball 55 et pas même réalité du tout avec basketball 3 par 3. Est-ce que gagner une différence dans la formation? Bon, la technique pure là, c'est peut-être que c'est à haut niveau de jouer, mais comme on a formation tout, est-ce que pas gagner une petite différence entre former et commissaire de table et arbitre pour 3 par 3 avec 55? Alors, je ne suis pas une compétence pour expliquer donc les magies ou bien le fond de cette structure ou bien de ce jeu 3 par 3. Mais quand même, on dit que 3 par 3 déjà on dit son différence liée. Et c'est une discipline qui garantit l'avenir. Et actuellement, nous avons une série de joueurs haïtiens qui, quoi que Salvador, je crois, que Dominicain tout. Voilà. Donc, c'est que c'est une structure. Voilà. C'est une structure qui gagne pile à venir là-dedans. Et nous marquons tout en Haïti pour que trop connaissance sur le patois. Bon, et Marconi, comme compétence capable en mise pour l'esprit, ça, même en mise compliqué, même dit que c'est une opportunité en Haïti de rater. Son opportunité côté que structure que nous gagnons en Haïti est supposée très, cap dit que à marcher là-dedans pour que nous aller de l'avant parce que là-dedans grand pile opportunité Haïti capable éclater non n'a dit que nouvelle structure ça parce que au besoin moins ça habite parce voilà. Que 55 ans c'est 3 habits tandis que 3 par 3 c'est les mêmes c'est 2 habits seulement besoin ça veut dire au besoin moins ce nombre d'habits mais en termes de formation en termes de différence il gagne vraiment grand pile différence entre 100 habits a besoin pour 55 avec 3 pour 3 bon je dis là c'est pas champ et activité réellement ou dans l'autre style formation dans Iboa ça allait plus technique vrai réel que moi c'est que c'est ma colline qui pour faire mais vraiment c'est très bien qu'on est là nous a pas de perspective qui ça que nous gagne là pour reste année est-ce que nous déjà là gagne un calendrier qui est en chargé pour nous capable finir cette année ben je préfère être en Haïti parce que je crois que international là n'a rien pour nous reparler de ça mais sur le plan local est-ce que gagne un calendrier côté là reste année à boucler en termes d'activité que nous devons faire comme pour formation effectivement nous gagne pile formation pour nous réaliser au cours de l'année nous déjà en fin d'année là nous on va au 7e mois de l'année nous enthousiastes après que tout le monde tout jeune tout intéressé ou bien participant fin suivre cours e-learning c'est le moment pour que nous venions avec des séances pratiques techniques sur le terrain comme ça pendant été là nous avons pas de bonnes formations que pas de bonnes séances techniques que nous fait Port-au-Prince, au Cap, Jacmel, Jérémy, nous clair sur ça, n'a pas avancé là-dedans. Mais ça, c'est pour nous terminer année en beauté. Parce qu'il y a un paquet de bon monde, il y a des centaines de monde qui suivent formation nous à distance à travers e-learning. Mais c'est mon meilleur moyen pour nous faire des séances pratiques avec eux parce que nous sommes très exigeants. La formation théorique, c'est bon, c'est vraiment bon. Mais aussi les séances tactiques, techniques sur le terrain, c'est important pour que les gens le fassent. Parce que sans quoi, nous pas gagner vraiment et cap dit que et contenu pour dans ça parce que non seulement faut qu'il y a à la fois technique et théorique donc en sens ça nous programmer des formations sur le terrain pour que nous faire pendant l'été c'est ça mais en termes de perspective nous dit que c'est pas seulement année mais perspective Iboa même c'est conçu il y a une école de référence en matière d'arbitrage au niveau mondial et pour nous mettre des camps à profit des jeunes afin qu'ils puissent regarder l'avenir avec espérance. Parce que nous pas qu'à travailler, nous pas qu'à parler de la jeunesse, à parler de société pour que nous parlions l'avenir. Parce que dirigeants, ça, nous allons parler, mais ces jeunes, nous allons remplacer. Mais pour nous remplacer, pour que la jeunesse, là,
li compétente pour que li capable faire face comme si à responsabilité li faut que li faut être préparé et pour préparer ça va être c'est à travers des formations n'est-ce pas des valeurs que n'a transmet yo pour que yo prend responsabilité future donc nous en débois nous prôner à ce que vraiment nous gon jeunesse qui éduqué qui engagé et qui capable garder l'avenir avec espérance en perspective nous dit que c'est nous construisons école du futur pour que véritablement nous aider jeunes à assumer responsabilité li en tant que n'cap dit que nouveau dirigeant cap venir et qui pral remplacer n'cap dit ancien qui pral aller donc ça en clair c'est ça on parle un peu parole là que est-ce que c'est yon structure lucratif ou bien non lucratif son structure non lucratif parce que nous pas fait rien pour nous demander moun yo l'argent une seulement nous cap dit de bien des cas nous cap formation on a fait des formations nous dit moun yo gon cotisation nous ba en cotisation exemple 10 goud 20 goud 100 goud mais c'est pas pour mettre en poche mais c'est pour capable permettre que activité aller fait plus bien imagine toi bien on moun cap prend des formations pendant 12 heures de temps 12 heures plus que 12 heures de temps des moun nan vini exemple on nous prend que espace que nous cap venir gribla gris parce que big gribla gris parce que nous pas payer nous faire moun nan manger ou bien que si moun nan fin bon l'eau les nous praler sachet de locataire gon moun cap nettoyer mais moun ça faut qu'on dit et cetera parce que donc en clair nous pas gagnons c'est pas un bagage que nous fait pour nous faire l'argent mais nous fait que pour nous aider nous faire pour nous aider jeunes ça arrive qu'il voit développer des partenariats avec d'autres instances qui veulent que lui avancer dans le besoin que ça avancer qui source de revenus voilà non ça c'est que ça fait nous même un débat nous avons travaillé tout pour que véritablement nous gagnions des propres sources par nous parce que connaissance que nous avons là tout nous capable vendre par des livres que nous avons écrits, par des séances, par des productions que nous avons faites ou que nous sommes capables de vendre. Donc ça c'est production personnelle libre que nous avons mis à profit des gens qui remettent nous cacher. Mais c'est pas que nous avons fait que pour nous dire que nous avons fait l'argent. Non, on n'est pas là. Qui dans le travail technique de formation, que Marconi lui connaît, c'est pionnier, est-ce que M. Baguin des gens qui accompagnent parce que je crois que le travail technique, ça, seul il peut faire parce que fait en formation imagine là ou une formation semaines aller au gars nous gagner Jacques Mel l'autre semaine moi quoi que le gars un peu fatigant est-ce que nous pas compter tout essayer accompagner agrandir staff sur le plan technique là les gars haïtiens pas haïtiens en termes de collaboration là nous t'ai rencontré avec et ou parler là de et président zone A et Afrique là ou bien alors là nous prend Anand Dian qui c'est président central FIDA nous parler avec lui nous changer oui mais on est là qui ça que qui support que de matériel que capable alors non, ou bien alors conseil de détail que nous réserver pour pas dire mais c'est que nous considérons la relation de haut niveau qui permettent que nous même avancer. OK, mais c'est ce qui importe, ça qui est important pour nous, c'est permettre que travail n'a fait à l'effet bien et avancer là-dedans à travers toute une série de plans que nous gagnons pour nous avancer là-dedans. Bon, ça veut dire que mais en attendant c'est Marconi lui qui a fait tout travail technique. Alors Marconi lui a fait travail non pas seulement. Alors oui, ils sont responsables. Mais gagner des une série de monde que nous formons tout, exemple les non Haïti, une série de compétences nous gagne en Haïti. Pendant qu'on a fait formation, on a invité le Vini pour participer avec nous, pour partager sa guerre comme connaissance avec nous ensemble. Ça, c'est son contribution en plus, ou bien c'est une compétence en plus que nous gagnons là-dedans. Marconi, comme c'est lui-même, il est le chef des opérations, n'est-ce pas, de formation. Hein? Mais il y a l'autre compétence qui gagne ensemble, qui vient hein, après. Moi-même, qui a parlé de formation en termes de jeunesse, je suis un responsable de formation dans Daïboa. Parce que les jeunes n'ont venu. Les grands séries de jeunes dans l'école. Exemple, moi j'ai visité plusieurs écoles en Haïti. Leur parler de jeunes de sport, ils rient. Ils disent, c'est quoi ça? Ça n'a aucune importance. Parce que nous en Haïti, pas de championnat, pas de cadrement, ou pas de gens l'école sérieux, qui allait ou à performer. Mais l'aile de ça, vraiment dévasté. Mais après, c'est leur fin de faut prendre son pour tendre, après pour répondre. Pour répondre, ça fait que moi-même, les parler par la fin par la conjoint, moi dis ok d'accord, pas les jeunes n'ont pas d'espoir en Haïti, il n'y a aucun plan. Oui, je suis d'accord avec lui parce que je dis si tout le monde a quitté le pays, programme États-Unis, le Biden, le programme encore parce que son pays, c'est un pays qui n'a aucun plan. Mais d'accord, tout si nous offrons une série de plans
OK, on série de projets, on série de programmes pour regarder l'avenir avec espérance pour quitter Haïti. D'ailleurs, pas gen aucun monde qui à l'aise que la caillou. Mm-hmm. Tout le monde qui voyage ta mon jour tourner dans pays hein. Mm-hmm. Mais pour retourner, faut qu'on situe, faut qu'on pays cap marcher. Mon n'a pas un problème là pour Haïti là, il cavale dans cinéma, il cal en bas, il cal fait shop. Il cal fonctionner. Mm-hmm. Mais pas gen dans pays hein. Si ça fait tout le monde veut quitter pays. Mm-hmm. Tout le monde veut à l'autre côté parce que le pays gen la vie. Mm-hmm. Gen ou ka font projet, ou ka sorti. Mais Haïti son pays qui mouri. Fermé. Depuis fait 2h d'après-midi, 3h, tout pays fermé. Chercher la caillou. Pas cap là dans pays comme ça. Mm-hmm. D'accord. Mais je dis faut nous gagner de nouvelles voies. Caponné en l'autre Haïti. Pour nous prendre en l'autre Haïti, faut nous gon plan, faut nous gon projet. Donc Haïti, donc pour Iboa est un projet. Est un projet, pas un projet pour Haïti, mais c'est un projet mondial parce que non seulement que nous là, mais c'est 3 par 3. Macronite est invité et comme responsable d'une histoire de Iboa pour aller Qatar. Non seulement son formation que tu as faite, mais tout, il était demandé pour que l'officier en série de match. Ce qui a été fait. Donc ça on sont non seulement son il a qui ont de nouvelles connaissances mais tout les mettre à profit pour fédération Qatar là connaissances que le gagne. Mm-hmm. Mais ça pas seulement Haïti qui va faire, il va faire dans notre territoire. Nous gagnons actuellement nous en consultation avec une et responsable et malien qui c'est Moussa. Ils sont habit qui certifié par FIBA. Mm-hmm. OK, qui travaille Mali. Il souhaitait pour Iboa venir Mali, venir faire formation pour lui. Parce qu'il a regardé tout ça nous fait comme travail, il a regardé vidéos nous tout ça nous fait parce que nous faut pas des bagages, nous pas parler, nous font pile bagages pendant ce temps nous gain là. Nous en consultation pour aller Mali pour aller former. Gain à Ouba pas que le pays, mais seulement nous-mêmes comme haïtiens de souche. Nous voulons que tout ça qu'a fait notre pays qui n'a le fait, il faut faire dans pays nous. D'abord. Nous voulons implémenter projet pour que Haïti, pour que jeunes ne pas désespérer, mais au moins go bagages nous porter pour eux. Parce que si on jeune capable jeune connaissance n'a balé nous former li et li intégrer en ligue là côté que gain championnat gain comme cap brasser jeune ça l'a intégrer socialement dignement société. Oui et qu'on y a là et parce que nous parlons pile et surtout dans la question de formation arbitrale, est-ce que nous pas gain volonté pour nous aller jusqu'à là pour nous faire Iboa yon centre de formation qui est capable de former joueur basketball tout, coach basketball tout, parce que former habitio, oui, habit la cabine, habit international, mais est-ce que si toutefois que habit sa pas gagné chance pour un habit international, est-ce que a gagné et basketteur, est-ce que a gagné et coach pour capable, parce que pour un match basketball joué, ou besoin habit, ou besoin joueur, ou besoin entraîneur. Qu'on a l'autre deux aspects qui sont très importants, qui sont joueurs et entraîneurs. Est-ce que nous avons un plan pour eux pour nous essayer d'élargir le cadre de la côté que nous avons dit que oui, nous finissons formés à habit, qu'on a là, nous allons former joueurs, nous allons former entraîneurs. C'est ça, nous disons que ça veut dire que perspective nous-mêmes, c'est que véritablement, c'est construire une école de référence, n'est-ce pas? Qui visait en quelque sorte à changer niveau A, à courir, à mettre niveau A, non niveau A point. Oui, mais est-ce que ou je suis allé à le sens qu'il habite, mais qu'on est là, on parle mal. Nous, pas seulement habite, officiel de table, les commissaires, oui, et les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui beaucoup connaissent, il y a est-ce que vous voulez habite, est-ce que vous voulez faire, etc. Mais est-ce que déjà là, nous gagnons une commission qui gagne. Oui, nous avons une commission. Alors, nous avons une commission qui beaucoup opérationnelle, mais qui travaille pour nous prendre ça, pour nous faire ça. Parce que c'est les jeunes qui participent. Ça, comme, causé, hein? C'est une série de jeunes qui viennent d'information, qui n'ont pas venu pour habite. Mais on finit pour comprendre les techniques de jeu. Mm-hmm. Par exemple, les bonnes fautes qui fait, me rappelez mon l'homme, j'ai été au Cap Haïtien. Il y a un jeune qui dit instructeur Mac, OK, sous telle vidéo, telle jouette, tel match, mais telle faute moi soulever, est-ce que ça c'est normal? Pour instructeur Abdou, voilà de quoi il en est. Il est venu pour le comprendre ni bien. Parce que quand ça passait, plusieurs jeunes qui viennent d'information, ils ont été frustrés par rapport à un match de basketball. Ils ont fini de participer, mauvais arbitrage fait qu'ils ont perdu. Mm-hmm. Ça, c'est un bail qui est grave. Et il y a un pile en Haïti. Si nous avons fait, ou même comme journaliste sportif, font enquête pour eux. Il y a un paquet de bonnes, chaque mois qui vient en Haïti, des jeunes qui sont frustrés après un match, après un arbitrage. Et ça fait nous-mêmes d'où, nous pas seulement former des officiels de table, arbitres, et commissaire, mais tous des jeunes qui veulent comprendre les techniques de jeu, les connaissances portant à certaines séances, pour qu'on ait que les abjoués tel ça, c'est au fait, est-ce que c'est faute, est-ce que c'est pas faute, est-ce que normal, tout ça là-dedans. Et ça fait que nous dit que Iboa, c'est un projet, c'est une école. Nous voulons une école de référence
qui là qui pour mettre à profit, n'est-ce pas, et qui pour au bénéfice des jeunes, n'est-ce pas, pour permettre que yo gen connaissance en la matière et pour intégrer dignement. Qui a pour nous gagner avec l'école basketball, parce que gagne en pile gagne perf et persévérance qui nan et bon gymnasium nan gagne au cap que tu allé. Qui a pour nous gagner, parce que là vraiment c'est côté nous mal jeune crème de la crème nan, n'a joine et des jeunes qui commencent, nous juste besoin d'orientation. Et qui rapport que nous gagne avec l'école basketball? Alors nous demandons de ne pas développer un rapport directement avec telle structure. Mais en tant que nous développer rapport avec toute structure qui voulait marcher avec nous. Donc nous gagnons au cap basketball, au bébé. C'est une grande structure sportive que nous avons de bons rapports avec lui. Et Iboa a été transformé, on va dire, l'arbitrage au basketball, au cap. Parce que nous essayons de montrer, si tu sais, qui gens arbitrage vous faites. Yo habite pas carabine n'importe qui gens. Et il voit en tant que trademark, elle dit qu'on son marque que même genre au même titre de Nike, de même genre Nike et autres. Nous porter une série de uniformes, nous porter une série de bails pour nous montrer que mais qui genre que un match leader officiel, leader officialisé. Mais qui genre que nous devons conformer nous dans un championnat. Donc maintenant nous dit que et non seulement que gain structure organisé directement dans le domaine là, mais gon série de l'école tout, nous prend collège, le collège de pragmatisme qui l'a lu côté que nous font grand camp d'été avec yo, ça c'était un succès que nous capable sous image là. Et gelot l'école tout qui voulait que nous aller de la sorte, nous ça c'était un grand c'était une grande réalisation à travers ça nous fait et parmi tout ça que nous fait. Donc c'est que directeur l'école là était vraiment satisfait de ça que nous t'ai porté là, il exige plus de nous toujours. C'est là pour laquelle nous dit que nous pas fait porte là pas fermé, toute structure organisée capable, parce que l'île de chat nous toute structure qui partage philosophie nous, partage projet nous, capable rejoindre nous, coopérer avec nous. Donc en clair nous dit que et nous là pour nous garder toute entité qui voulait marcher dans même philosophie avec nous. Bon, nous revenons dans l'heure pour nous mettre fin à l'émission, hein? Et avant que nous finissions, qui gens au monde capable joindre Iboa dans quelle façon, parce que on croit que nous capable gagner un numéro sur Facebook ou bien là sur Instagram, sur Twitter, parce que est-ce que nous gagnons des liens qui clair que devant mon cliquer là au cas où depuis mon aller sur YouTube ou taper Iboa ou après non tout ça nous fait mais voilà en termes de connexion pour mon joindre contact nous c'est comment et contact. Alors moi-même comme vice-président le 37 47 32 46 comme vice-président à travers moi-même au monde mettre les moi et rapidement nous m'appeler mettre en contact avec secteur là etc. Sans problème. Eh bien, nous sommes contents avec nous. Vraiment, là, nous avons gagné comme invité. Et Maître Apollon, c'est un plaisir pour nous avec vous. Et c'est un grand plaisir pour moi-même, pour moi, dans Télé-Pacifique. C'est Kaïmoué. C'est la Kaïmoué, je ne vais pas cacher. Et ça fait plaisir, James, pour moi avec vous. Je félicite pour le travail que vous faites. Et je souhaite que vous preniez à cœur la jeunesse haïtienne. Jeunes ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin de nouvelles voix. Ils ont besoin de programmes pour changer. Parce que nous pas qu'on jeune, nous pas qu'on jeunesse n'a balti sourit. Nous pas qu'on jeunesse n'a offrir les kawash. Nous pas qu'on jeunesse a vouloir qui négatif pour la ville. Mais nous besoin qu'on jeunesse agissante, mais qui pour que jeunesse ali agit véritablement, faut li gagner de bagage, faut gagner de connaissance, faut faire compétent pour regarder l'avenir avec espérance. Je dis à toute jeune qui a quitté le pays parce qu'il n'a pas son pays qui n'a pas espoir là-dedans, son pays où tout le monde est désespéré. Et bien, je dis à nous-mêmes, comme nouvelle voix, nous devons offrir Jeunesta un autre projet, nous devons offrir Jeunesta un autre bagage pour que nous comprennent ça. Parce que tout côté nous parler, parce que tout côté nous parler, ils ont préparé la caillou. Et bien, il faut nous dire qu'on préparer la caille nous tout. Mais il ne boit pas pour Haïti, il boit son bagage mondial que lié. Mais nous prenons Haïti à cœur parce que nous-mêmes sommes haïtiens. Eh bien, nous sommes contents avec les téléspectateurs. Nous avons rendez-vous lundi, passons au week-end sur Télévision Pacifique. Programmation à continuer. Merci.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.